Zango nyam. S'il y a même une maison de sorcellerie là-bas qu'on ne vend pas sa famille, j'entre là-bas, je vends mes animaux. Vraiment, tu as les imaginations, je ne sais pas d'où, ça c'est les imaginations de Toto. Tu vends qui? Tu crois que même pour vendre quelqu'un ici dehors, maintenant c'est facile. Tu as déjà vu depuis là, à l'époque, quand tu marchais, tu ramassais l'argent. Même les marabouts ne lancent plus l'argent en retour de prendre. Tu vas vendre qui? Tout le monde est soudé maintenant. Les gars savent que c'est dur. Quand tu viens bavarder, depuis que tu marches là, à l'époque, on ramassait l'argent. On voyait les marabouts qui faisaient même les arbres de feuilles, mettaient l'argent là pour que les gens ramassent. Même ça, tu vois. Même dans la nuit, quand tu rêves encore, tu as rêvé que quelqu'un veut te donner l'argent. Ils ont dit même que la sorcellerie existe, la sorcellerie résiste. Si la sorcellerie existait et que ça, on ne vend pas les membres, comme si le fond comme celle de banque, ça me fait même péjo. Tu as même mal choisi. Ah, donc tu me vends pour une péjo. Donc moi, Ndiasso, tu me vends pour une péjo. Je vois que tu es malade. Bon, et si tu me vends pour une Peugeot, si tu as la Peugeot, tu fais quoi avec? Non, si tu as la Peugeot là, tu fais quoi avec? Je vais aller en aventure. Où? Parce que ma vie marche à pied. Non, tu es à moi. C'est un peu toi qui parles. Je suis sûr qu'on t'a. Comme tu parles là, je suis sûr que dans la société, même on t'a vendu. Là où tu es là, tu es bien chef du village, même dans un village là-bas à Côte d'Ivoire. Parce que dans notre famille, personne n'est malade en aventure. Et toi, tu veux pas? Nous tous sommes à la maison, on attend seulement que le père nous succède. Je vois que tu es taqué. Tu es taqué, ta tête est vide. Tu pars en aventure où? Passons par où? Libye, non? On bosse, on se bosse. Oui, c'est bien. Ah, tu fais même une bonne viande avec ton gros corps là. Les gars arrivent avec ton type découpé comme ça là. Manger à terre. Et je pars en Libye. Je pars en Libye. Va prendre la route, tu pars, non? Un mot n'est pas parti. Il a dit. Un mot. Les Kirikou là ne sont pas passés sur la Libye. Tu as fait les mathématiques? Tu as fait les mathématiques. Je t'ai posé la question. Tu as fait les mathématiques. Où tu as fait les mathématiques, non? Ok. Je vais donc te dire que le singleton. En mathématiques, on parle de singleton. Les quand on parle de singleton, c'est les amours comme ça. C'est-à-dire les gens qui ont eu la chance d'entrer. Tu sais combien sont morts? Tu me mettais ici au pays, on n'est pas dans mon temps comme ça là. Bon, même supposons que tu passes là et tu bosses en vrai. Tu vas faire quoi alors? Tu travailles avec les blancs, non? Tu travailles pas avec les blancs, là. Je travaille avec les blancs, non, Nandji. Tu connais le racisme qui existe là-bas? Ah, quel racisme existe? Le racisme là, c'est même nos filles noires. Les Camerounais, nous les Africains, on parle de racisme. Tu salues une fille en route, tu dis que ma chérie, tu n'as pas les fesses. Elle regarde sur le goût des blancs. C'est nous-mêmes que le racisme existe encore. Tu ne connais pas. C'est parce que nous sommes colonisés par les blancs. C'est pour ça que ce système est resté. Les blancs qui nous ont dit que le racisme est terminé. Ils ont dit ça, non? Vrai ou faux? Vrai, le racisme. Oh, quand tu regardes les films des blancs, dans lesquels les noirs ont les rôles, qui meurt avant? Le noir. Ah, ce n'est pas le racisme, ça. Hein? Tu veux que je te prenne les exemples? Prends les exemples. Ah, bon. Ok. Quand tu vois une voiture blanche, les roues ont quelle couleur? Noir. Noir. Tu ne vois pas qu'ils ont toujours tout fait pour que le noir continue à supporter la charge. Quand toi maintenant tu veux laver tes vêtements, parmi lesquels il y a les vêtements blancs, tu commences par lesquels? Le blanc, non? Tu en dis toujours, trempe d'abord le blanc à côté, sinon le noir va t'aider ça. Ce n'est pas le racisme. Non, tu veux que je te donne des exemples? Quand il y a une belle soirée, une soirée normale, on dit toujours soirée en blanc, non? Et quand c'est le deuil? On porte le noir. Ce n'est pas le racisme. Quand on nous a dit que oh, Jésus est ici, Satan est ici. Quand on dessine Jésus, il est quoi? Blanc. Ah, et quand c'est Satan? Il est noir. Pas en Europe. Tu fais les dents comme ça, là, tu fais les dents comme là, qu'on a mal à taper au piège. Je vais aller en Europe. Toi, Nandji, tu pars en Europe, je te mens pas. Dès que tu entres là-bas, on te rabattit. Tu vas même d'abord faire quoi avec ton gros corps là? Tu vas faire quoi? Tu ne même pas que tu as fait les sports pour maigrir un peu. Mais de toute façon, la fille de l'autre jour, elle a un cœur noir. Celui son cœur n'a pas de racisme. Si une fille a un cœur noir, c'est qu'elle n'a pas de racisme.
Parce qu'une fille qui a un peu noir, c'est une fille partout. Elle n'agit que selon les bantous, le rythme partout. Elle a un peu noir, elle a fait quoi? Tu dis même la chose, on dit même que Satan, c'est le surnom. Je suis sûr que son vrai nom, c'est Vanessa. La fille a tout, mais donc... Mais alors, je ne peux pas te mentir, Jason. Moi, mon rêve, c'est que la fille, en mettant même le pot sur sa tête, ça pue. Nanjib, laisse les rêves. Tu comprends? Laisse les rêves. Toi, Nanjib, tu ne peux faire aucun bon rêve. Tant que tu n'as pas encore tracé ta vie, hein, ça ne peut pas passer. Prie, tu dors la nuit, tu pries, Dieu va te donner. Les rêves, là, c'est terminé. Il y a même ceux qui rêvent, ils voient tous les côtés. Mais c'est pas un bing là-bas. J'ai un peu les deux réveillés, je vous salue plus. Hein. Qui a besoin de tes salutations? Non, vous allez seulement me vous voyez. Même maintenant, là, tu salues qui? Même maintenant, tu salues. Dieu connaît à qui donne l'argent. Alors, si on te donne, tu vois. C'est même 1 million, c'est que toi et moi, on fait quoi cela? Il y a un proverbe qui dit que ceux qui ont les ombres n'ont pas le porc pour les toucher. Et ceux qui ont le porc, ils cherchent les ombres. Si toi, tu es pauvre, accepte ça. C'est la pauvreté, c'est ça que Dieu t'a donné. Dieu va te donner l'argent. À quoi sert l'argent dans les mains des pauvres comme toi, des insensés? Voilà un gars qui est. Regarde comment tu es. Avec ton gros corps là, tu peux même acheter le pouce. Tu travailles ici là. Tous tes rêves, la folie, tout ce que tu as dans la tête, c'est l'imagination. C'est les rêves de mauvais goût. Tu vas aller en Europe. Tu vas aller ici. Nanji. Je prends le pouce que si les filles me voient pour ça. Il y a des métiers qu'elle ne peut pas quand même faire. Donc le faire galérer comme ça. Le pouce, c'est une mauvaise chose. Il y a des métiers qui. Ça n'a pas l'élégance. Tu es élégant. Vigile. Tu sais faire la moto. Mm-hmm. Mais j'attends mes vérités, je reviens élégant. Et depuis que tu es comme ça, tu ne pousses pas l'élégance là. C'est lorsque tu as sur la tête là. Hein? Je ne peux pas aller avec mon gars en Europe, je ne peux pas aller avec Poussa en Europe, que de Poussa en Afrique. Tu es venu faire quoi ici? Il y a les mégétés qui vont arriver, les grattes même si c'est tu vois, avec... tu vois ce que tu fais. Reste là, moi je n'attends pas les bengues. Fais-moi passer. Non, tu peux travailler. Fais-moi passer, monsieur. Le métier là ne te mérite pas. Ça me mérite. Fais la moto, c'est quand même. Ouais, ça te mérite. Va là en aventure. Quelle que soit la vitesse, la poule, le corps maintient sa décision, atteint son objectif. Malgré des découragements, il ne souffre qu'à là en Europe. Mieux souffre là-bas que de souffrir dans mon propre pays. Ma chérie, je ne sais pas si le Sahara. Je flirte pour vos voix des parents.